Bonjour, des fois on me demande comment ça se fait que j'ai accès ou que je connais toutes ces données-là. Moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Depuis que je suis enfant, j'ai accès à ma communauté de guides, je parle à mes guides, je parle à toutes sortes de plans, des élémentaux, des géants, des guides, des maîtres. Ils m'ont toujours accompagnée. Quand j'étais enfant, j'étais accompagnée par trois grands guides. Alors, ça fait très, très longtemps qu'on m'enseigne plein d'informations. Évidemment, quand j'étais un enfant, je ne savais pas exactement tout ce que je recevais. Mais j'ai toujours eu une compréhension. À 12-13 ans, je me suis mis à lire le livre L'organe de. Comment est-ce qu'il s'appelle? Un fameux thérapeute allemand qui parlait du chi. Alors j'ai commencé à lire sur le chi et j'ai toujours compris tous les phénomènes des structures énergétiques. Pour moi, c'est aussi physique qu'un arbre, qu'une maison. Ça a juste des textures différentes, des sensations différentes. C'est très palpable. Pour moi, c'est très physique. C'est comme je suis arrivée avec ce savoir-là. Et j'ai toujours continué à faire des recherches, à développer. Alors, au fond, à 57 ans, j'arrive à une quintessence de ce que je sais. Il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches, d'explorations sur d'autres univers, d'autres dimensions, d'autres façons de travailler. J'ai reçu des informations par rapport aux extraterrestres, aux énergies qui nous influencent, à toutes les énergies qui influencent l'humain dans d'autres plans, qui sont pour moi, comme je dis, je les vois, je les sens, qui ont une matérialité. Alors pour moi, tout cet univers-là est matériel et palpable. C'est peut-être ça qui est ma différence quand je traite ou quand j'enseigne. Vous avez une sensation, une information dans votre corps. C'est physique. C'est toujours relié à une matière. Tout ça est différentes formes de matière avec différentes textures. Bon, moi, je suis en formation permanente. Depuis que je suis enfant, je reçois des informations de plusieurs dimensions. J'ai accès à plusieurs plans. Et quand je suis en formation permanente, c'est que je reçois toujours d'informations. J'ai toujours accès à des nouveaux plans, des nouvelles dimensions. C'est pour ça que je marque que je suis une thérapeute multidimensionnelle. Et je reçois ces informations-là presque tout le temps. Et c'est facile pour moi, c'est fluide. C'est comme des accès très palpables. Je les vois, je les entends, je les sens. Des fois, ça peut être cocasse. Des fois, c'est original, parce que des fois, ils se présentent dans des endroits publics, comme des métros, comme une fois où j'ai vu un farfadet dans un métro. Ça, c'était original. Bon, en général, les informations arrivent plutôt dans des moments de grande méditation. Et au fond, comme je suis en formation permanente, bien, je suis en train de créer ou de voir que je suis en train d'arriver à une cosmologie des plans énergétiques, une façon très vaste de voir la matrice de l'individu. Alors, je suis comme en train de développer un livre qui va être tous les différents aspects, les différentes dimensions, les différents plans, en faire comme une structure, une matrice, intégration. Alors, je suis dans ce processus-là. Alors, voilà. Fait que le livre s'en vient. Là, je suis en processus de travail parce que c'est mettre beaucoup de différentes dimensions, différents univers, différents plans en même temps et que ça fonctionne. De voir comment toutes ces réalités-là sont interreliées. Ça ressemble, ça, on se rapproche de la physique quantique, au fond. La physique quantique qui parle de 12 dimensions. Mais comme je ne suis pas une physicienne quantique, je ne peux pas vous donner plus d'informations que ça. Mais en physique quantique, il commence à reconnaître 12 dimensions et plus. Alors, il commence à saisir dans leur façon de parler les différents liens dans les différents univers. Avec ces capacités que j'ai, c'est comme si je vous amène dans mes voyages. C'est là que je vous amène dans des voyages interdimensionnels. Je vous amène à être en lien avec ces univers-là, parce que je vous amène dans ma réalité. C'est très facile pour moi. Alors, ça serait ça ma force, au fond, c'est de vous amener dans ces réalités-là de façon très pratique, très concrète, à travers mes soins, à travers mes enseignements, où vous allez l'intégrer, le sentir, le percevoir, et ça va être extrêmement facile pour vous, comme si on ouvrait la télévision. Je vous remercie.